Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir, pour la période du 31 août au 6 septembre. Et oui, ça y est, c'est la rentrée. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, je voulais vous dire aussi que je ne pense pas que j'aurai le temps de faire la guidance quotidienne cette semaine non plus, parce que comme vous, c'est la rentrée pour moi aussi, et à la rentrée scolaire. Donc, il y aura plein de choses à mettre en place. Si j'ai le temps, je les ferai. Si je n'ai pas le temps, mais tant pis, ça sera pour la semaine d'après. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine du 31 août au 6 septembre. Alors, un petit message avec l'oracle des fées. Les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Oui, n'oubliez pas que vous êtes un être magique aussi et que votre magie souvent vient du cœur, de l'amour. L'amour inconditionnel, de l'amour que vous avez dans votre cœur. C'est un petit rappel des fées. Merci aux fées. Alors, pour cultiver la joie de vivre, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'organise pour aller contempler le lever du soleil. Il n'est pas nécessaire de faire le tour de la terre pour trouver le dépaysement. Il suffit de se lever 2 heures plus tôt pour aller contempler ce cadeau quotidien. C'est à la fois une aventure et un plaisir. Voilà. À vous de voir si vous avez envie de vous lever de bonne heure pour aller voir le soleil. Allez, quelle est l'énergie de la semaine? Nous avons l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc là, on vous demande de faire un petit travail d'introspection au final. Donc vous devez passer un petit peu de temps seul. Afin d'écouter votre voix intérieure, peut-être en allant justement regarder le lever du soleil ou le coucher du soleil, parce que c'est un joli spectacle aussi. Donc, allez voir le spectacle qui vous enchante le plus, le lever ou le coucher du soleil. C'est souvent des très jolies couleurs. Donc, on vous dit ça, d'écouter votre voix, de prendre un petit peu de recul, d'être un petit peu seul pour écouter votre voix intérieure. Peut-être de faire un peu plus de méditation ou de commencer la méditation si vous ne méditez pas encore. On vous invite cette semaine à faire un voyage intérieur au final. De sonder votre cœur. Vous voyez, on est en concordance ici puisqu'on vous parlait de magie et que la magie vient du cœur. Donc oui, on vous parle de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à des énergies de magie, d'amour qui émanent de votre cœur. Peut-être que ça vous permettra de goûter à une certaine vérité ou voir certaines vérités que vous n'avez pas vues jusqu'à présent. Et en fait, c'est un travail pour être à l'aise face à vous-même dans certains moments de solitude, de pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Parce qu'il y a une différence entre le fait d'être seul et le fait de se sentir seul. Ce n'est pas du tout pareil. Peut-être que vous allez commencer aussi un enseignement spirituel cette semaine. Ou peut-être à vous de l'enseigner, d'enseigner une certaine sagesse que vous avez acquise à travers vos expériences. Donc à vous de voir si c'est vous qui la transmettez votre sagesse ou si c'est vous qui allez faire une démarche pour rencontrer. Pour faire partie, pour acquérir cette sagesse. En train de vous dire que vous êtes dans un cheminement spirituel et qu'à ce stade-ci, votre sagesse est une composante essentielle de votre vie spirituelle. Donc, là, on vous invite à trouver ou devenir votre propre mentor, finalement, et de partir à la découverte de vous. Voilà pour l'énergie principale de la semaine, c'est se reconnecter à soi finalement, croire en la magie qui émane de son cœur, croire en l'amour. Voilà. Donc ensuite, l'énergie principale, vous voyez, nous avons l'initiation. Donc l'initiation, on va nous parler quoi? D'enseignement, de formation, ben justement, hein, d'être initié à quelque chose. Alors peut-être que vous êtes être l'initiateur, vous êtes être l'initié. C'est à vous de voir en quoi résonne. Allez, nous avons le choix, le message et le frère. Nous avons ensuite le voyage
l'initiation. Les racines, oui, c'est un. Effectivement, on est bien. C'est un tirage. Alors, il y a d'autres énergies qui se dégagent. On peut parler du professionnel. Mais c'est aussi c'est un tirage quand même qui est très très spirituel hein, cette semaine. Ensuite, nous avons la protection, le malheur et l'élévation. Oui, oui. Alors. Oui, c'est un tirage très, très spirituel, mais pas que. Alors, on y va. On nous dit que cette semaine, vous allez avoir le choix pour vous faire un déplacement. Et alors, c'est peut-être un déplacement sentimental, c'est peut-être un déplacement professionnel, ou c'est peut-être juste seulement un voyage de loisirs. Et on vous dit que de toute façon, ce déplacement, le choix, une fois que vous aurez fait ce choix-là, ce déplacement, de toute façon, est protégé. Ou peut-être justement, vous allez devoir faire un choix entre le sentimental et le loisir, ou le sentimental et le professionnel. Mais quel que soit votre choix, on vous dit que votre choix est protégé. On vous parle aussi d'un choix. D'un choix suite à un message que vous allez recevoir. Alors, soit message d'une personne de confiance, ou peut-être le message d'un frère ou d'une sœur, hein, tout simplement. Alors, enfin, en tout cas, c'est un message d'une personne de confiance. Donc, ça va. Vous allez devoir. Peut-être que c'est une invitation, peut-être que vous allez devoir choisir d'aller ou pas, d'accepter aller à une invitation. Enfin, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir un message d'une personne de confiance, alors que ce soit un membre de votre famille ou non. Et. Donc c'est peut-être le choix de vous déplacer ou d'y aller ou de ne pas y aller, allez savoir, je ne peux pas choisir votre place. Ou en tout cas c'est un message peut-être un message pour faire un partenariat. Oui, mais c'est un message. Enfin, il y a de la confiance. Hein, c'est un choix qui sera basé sur la confiance de toute façon. Donc vous avez ce choix-là à faire. Ensuite, vous avez un choix aussi au niveau d'un enseignement, d'une formation. Ah, peut-être qu'on va vous demander de suivre une formation pour acquérir des compétences supplémentaires. Ou peut-être que c'est vous qui allez demander à faire une formation supplémentaire. Peut-être pour vous diriger vers un autre secteur d'activité. Oui, c'est ça. Peut-être vers un autre secteur d'activité. Peut-être que c'est un enseignement, un stage, une formation, c'est ce que je vous dis. Pour apprendre de nouvelles choses en tout cas qui vous devraient vous être utiles pour ensuite accéder à autre chose, accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé pour vous, pour votre futur, pour vos projets, quels qu'ils soient de toute façon. Donc là oui, vous allez avoir un choix à faire, mais de toute façon ça va vous, quel que soit ce choix, ça va vous permettre de toute façon de passer à une étape supérieure et de vous élever vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être pour faire une autre ouvrir votre vous mettre à votre compte, ou peut-être changer de secteur dans votre entreprise, enfin. Quoi qu'il en soit, ici c'est pour vous élever, c'est pour acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que c'est aussi au niveau spirituel, vers quel, peut-être que vous voulez devenir, peut-être que vous voulez peut-être commencer une formation, peut-être pour tirer des cartes, pour faire pour de la lithothérapie, c'est le travail avec les pierres. Enfin, c'est il y a un choix ici, mais c'est pour accéder à quelque chose, à un mieux-être, à vous reconnecter à vous-même. On vous parle aussi de vous reconnecter, de faire un voyage. Alors, de faire un déplacement, ou c'est un déplacement professionnel, ou c'est un déplacement, ou suite à un déplacement qui concerne, qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais et ça, ces connaissances, c'est pour vous relier à votre être profond. Ici, vous voyez, c'est l'arbre de vie hein, avec les séphirotes correspondant en différentes maisons des archanges. C'est rigolo hein, de l'avoir parce que justement, c'est. C'est un sujet que je vais vous traiter pendant cette semaine et les semaines qui suivent. Donc, c'est pour vous reconnecter à vos racines, à vos origines. Donc, peut-être que c'est un voyage que vous allez faire au cœur de votre famille. Ça va vous apprendre quelque chose au niveau de vos origines, au niveau de votre famille. Peut-être que vous avez envie de découvrir votre passé. Ou c'est un voyage aussi, c'est un déplacement pour faire un... pour apprendre de nouvelles choses, et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles bases, de nouveaux fondements pour justement des projets futurs. Alors, quels qu'ils soient, hein, mettez en fonction de ce que vous vivez.
Alors, vous allez recevoir aussi des nouvelles concernant. Vous allez avoir une discussion, mais je dirais plutôt, c'est plutôt une discussion concernant justement ces projets d'enseignement. Alors, ou c'est vous qui allez enseigner, ou c'est vous qui allez recevoir un enseignement. Et vous allez recevoir ces messages, mais ça ne va pas vous. Comment dire? Il va y avoir des réflexions méchantes par rapport justement à ces messages, à ce que vous voulez mettre en place. On va vous faire des réflexions méchantes. On va essayer de vous dissuader d'avoir une emprise sur vous, pas très sympathique, de manière pas très sympathique. Pas très, oui, pas très sympathique. On va essayer plutôt de vous dissuader on vous dit d'essayer de mettre de côté justement ces mauvaises ondes. Voilà. De toute façon, on vous le dit ici, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé par rapport justement à de la méchanceté, à une souffrance qu'on vous a imposée. Oui, je le vois comme ça. Une souffrance qui vous a imposé, mais cette protection, c'était fait pour justement pour vous aider à grandir, à évoluer, à passer à autre chose, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. C'est peut-être justement ce moment de solitude que vous vivez aussi comme une souffrance, mais c'est pour mieux vous apprendre à vous reconnecter à vous-même et à ne pas vous sentir seul. Et ne pas à être seul non plus, parce que être seul avec soi-même, si on se sent seul en étant avec soi-même, c'est pas terrible. Ça veut dire qu'on se connaît pas et qu'on ne se supporte pas. Donc c'est aussi pour vous reconnecter à vous. Et justement, c'est un apprentissage que vous faites pour vous reconnecter à vous et pour vous élever et pour vivre en harmonie avec vous justement. Et pour vous reconnecter à votre magie, à la magie de votre cœur, à la magie qui émane de vous en fait, hein. Et là, on vous dit aussi que par rapport à une initiation, à un apprentissage, à une volonté d'acquérir des connaissances, vous êtes protégé et vous pouvez y aller en toute confiance. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous par rapport à votre passé, peut-être pour construire de nouvelles bases, pour aller vers de nouvelles choses. Mais c'est comme un renouveau, c'est vraiment pour vous mettre le pied à l'étrier pour passer à autre chose, pour passer un cap en fait, hein. Donc voilà pour ce qui est des énergies de la semaine. C'est une introspection finalement, peut-être un peu avec un peu de souffrance, avec un peu de souffrance pour certains d'entre vous, pour d'autres non pas du tout, qui le vivront plutôt bien, mais pour certains, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit, c'est pour aller vers autre chose. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir pour cette semaine. Ensuite, ben, vous avez comme d'habitude votre petite question à réfléchir. Réfléchissez à la question que vous avez envie de poser aux anges. Prenez le temps de réfléchir. Mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps d'y réfléchir. Le choix numéro 1, c'est l'enveloppe avec le petit cœur. Le choix numéro 2, ce sont les gants ou les moufles, hein, comme vous voulez. Et le choix numéro 3, bah, c'est la feuille. Voilà. Allez. Prenez votre temps, choisissez, centrez-vous, réfléchissez à votre question et nous allons voir quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Nous avons de grands changements positifs. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous demandiez, mais on vous dit que ces changements, des changements arrivent et ce sont des changements positifs. Alors, ce n'est peut-être pas ceux forcément auxquels vous attendez, mais en tout cas, c'est les meilleurs pour vous. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Si vous croyez. Donc, il y a des changements qui arrivent aussi et des choses qui arrivent pour vous, mais il faut continuer de croire que ces choses vont arriver. Il faut croire en vos rêves, en la réalisation de vos rêves. Ensuite, troisième. La réponse, oui, le troisième choix. Je ne sais pas, j'ai fait un temps d'arrêt. Donc, pour la feuille, pour ceux qui ont choisi la feuille, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Donc, je ne sais pas quelles sont vos inquiétudes, mais on vous dit que ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Les choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. Sont en train de se mettre en place. Donc voilà. Donc nous allons voir un petit. Oui, nous allons voir justement avec l'oracle quantique. Quel est le message de cette semaine? Nous avons l'épée. Donc l'épée. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On rentre en action ou on veut couper peut-être avec une situation.
C'est peut-être ça le choix aussi. On veut peut-être couper avec une situation suite à un message qu'on va avoir. Peut-être couper avec une situation justement qui nous faisait, qui nous donnait du chagrin, qui nous rendait triste. Donc il y a aussi cette histoire de coupure avec l'épée. Mais elle nous dit quoi d'autre cette épée? Elle nous dit aussi que elle représente, c'est un outil parfait pour agir dans une situation donnée. Donc c'est peut-être justement cette semaine, comme on est dans le choix, dans une situation. Beaucoup d'enseignements, de formations, d'accéder à une certaine connaissance. Peut-être justement l'épée est l'outil parfait. Elle nous indique qu'on va trouver l'outil parfait ou qu'on va créer l'outil parfait pour passer à l'action justement pour acquérir ses connaissances. On vous dit aussi que vous êtes capable d'affronter une situation. Donc je fais référence au malheur aussi. Donc vous êtes peut-être capable d'affronter cette situation. De toute façon, vous êtes protégé. Donc si vous êtes protégé, vous êtes capable d'affronter une situation dans votre vie. Vous allez trancher peut-être un obstacle aussi qui vous a empêché, qui va trancher l'obstacle, peut-être trancher, ça va vous permettre de trancher pour faire justement le choix que vous devez faire. Donc et ça vous permettra de prendre une décision juste dans la situation donnée. Ça va vous permettre aussi de peut-être de comprendre. On vous parle de compréhension aussi, la compréhension de choses que vous êtes en train d'affronter en ce moment, c'est des choses en relation avec de la tristesse. Hein. Donc oui, on est vraiment en redondance avec ce qu'il y a, donc les choix à faire, décisions à prendre. Et ça représente aussi la force active et peut-être des combats que vous allez devoir mener ou que vous avez mené aussi, qui vous ont amené à ce choix-là. Hein. Donc c'est à vous de savoir si vous allez utiliser cette épée pour trancher ou pas. Après, vous êtes un guerrier aussi, mais on vous parle de guerrier pacifique. Puisqu'on était dans la spiritualité, oui, vous êtes un guerrier pacifique, mais on vous demande d'être prudent aussi. Hein. Donc vous allez, cette épée va vous permettre de vous reconnecter à vous, avec justement permettre peut-être de vivre ce moment de solitude beaucoup plus facilement, justement parce que vous savez que vous avez un choix à faire. Ça va vous permettre de mieux vous intérioriser pour ensuite peut-être mieux trancher une situation. Mais vous parle de oui, vous êtes un guerrier pacifique tout simplement. Vous allez prendre peut-être c'est peut-être justement pour faire les choses de manière pacifiée, de manière pas dans comment dire pas en étant c'est plutôt une action posée plutôt que en réaction à quelque chose. Voilà ce que je voulais dire. Je cherchais mes mots. Allez, quel est votre petit message des anges pour vous cette semaine? Enfin pour vous, pour nous, hein, parce que moi aussi je suis concernée par ces messages. Allez, et ben voilà. Nous avons intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc là, c'est ce qu'on vous disait, de vous reconnecter à la magie, hein, de votre cœur. Donc suivez votre cœur, votre intuition. Justement, peut-être que ce fait de prendre le temps de méditer, de vous recentrer sur vous, va vous permettre de trouver la réponse qui vous empoisonne. Ou la réponse à votre choix. De toute façon, écoutez-vous. Voilà. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez votre cœur. Allez, un petit conseil avec l'oracle des anges. Voilà. Un conseil avec l'oracle des anges. Un petit conseil pour la semaine du 31 août au 6 septembre, s'il vous plaît. Non, il y en a deux qui se sont retournés. Moi, j'en veux qu'une. Allez. Si elle ne vient pas toute seule, on ira la chercher. Allez, et ben voilà. Nous avons
Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous voyez ce qu'on nous dit, vous êtes protégé. Protégé par rapport à une situation qui va vous mener très loin, qui va vous permettre de vous élever, de grandir et d'aller de faire un accomplissement de vous. Donc on vous dit de vous lancer. Lancez-vous dans le choix déjà. Après, nous verrons bien, parce que là, on en était plutôt dans, oui, dans le déplacement. Peut-être qu'il va falloir que vous vous lanciez dans le déplacement, acceptez de vous déplacer pour aller faire quelque chose. Mais vous êtes soutenu, vous êtes protégé, donc allez-y. Voilà le conseil des anges, c'est de se lancer dans le choix. Si vous hésitiez à faire le choix, bah, c'est la semaine où vous devez faire ce choix-là pour acquérir des connaissances. Peut-être que vous hésitiez à acquérir des connaissances et on vous dit qu'il faut y aller. Vous voyez, il y a le klaxon du bus et nous sommes en raccord. Les anges sont d'accord avec ce que je viens de vous dire. Voilà. Ça tombe bien. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a pu vous éclairer aussi sur peut-être certaines choses qui arrivent dans votre vie. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.